Allez, on va en partie 2. Donc pour la suite, balance, taureau, lion, vierge, sagittaire et notre petit dernier scorpion. Allez, pour vous, c'est quoi le message du jour? Pour ceux qui sont sur cette vidéo qui n'ont pas leur signe, il y a une vidéo qui est déjà postée. Donc n'hésite pas à aller faire un tour pour trouver ton message. Allez, c'est parti. Ok. T'as envie de voyage? En tout cas, on sent que pour le coup, on est en vacances. Donc peut-être que tu pars au ski et que tu vas skier. Ok. Non, bah, en fait, on n'est pas trop vers ça. On te parle de voyage initiatique suite à une rupture qui t'a mis incroyablement en travail. Et en plus, ben, on t'a porté des accusations comme quoi tu as fait en sorte de terminer cette relation, que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Mais on sent que du coup, tu t'es quand même tourné vers ta famille, vers tes amis et que les choses se sont mises en place. Alors, attends, hop là. Je cache cette carte. Ouais, parce que c'est des gens qui sont tout nus et les plateformes n'aiment pas les gens qui sont tout nus, même si on en voit des vertes et des pas mûres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut être un voyage où en fait, tu vas retrouver la personne avec qui tu n'étais plus. Et de par ce voyage, il va y avoir un rapprochement plus que physique qui te dit que on va pouvoir en fait peut-être continuer ce qu'on a peut-être arrêté par le passé. On te parle de renaissance, donc pour moi, c'est quelqu'un qui est sorti de ta vie depuis un petit moment et clairement, tu as mis des choses en place pour avancer pour toi et clairement, on sent que c'est quelque chose qui était plutôt pas mal. Oh, je trouve ça trop beau. On te parle de réunion avec cette personne. On te dit que tu vas la retrouver. Tu l'attends peut-être plus, même lui ou elle t'attend peut-être plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a du mouvement avec une personne du passé qui va clairement, regarde, oh, je trouve ça trop beau. Moi, je trouve ça magnifique, en fait, quand les cartes, elles bougent comme ça et que c'est juste... Il va y avoir une reprise de communication. Quand tu vas la revoir, en fait, vous allez avoir envie de reprendre une communication. Les choses sont passées, l'amertume est passée, la colère. Peut-être ces questions qui étaient sans réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on te dit que tu as une destinée, qu'à un moment donné, vous allez devoir prendre une décision. Parce qu'effectivement, et on te dit bien que le temps a passé et que les choses se sont apaisées et qu'aujourd'hui, regarde, homme-femme, on est bien sur un couple, quoi que tu puisses m'en dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose, en fait, on voit les rêves. Donc, en fait, vous étiez en contact dans la 5D et que c'était quelque chose de magnifique. Et tu as toujours su que de toute façon, quelque part, vous alliez vous